Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour un petit tour au Leclerc du Blanc-Ménil dans le 93. Ils ont tout ce qui est arriva juste à l'entrée du magasin, spécial Ramadan. Donc là, ils sont en train de recharger les rayons. Je vais vous partager tout ce qu'on peut retrouver. Donc aujourd'hui, nous sommes le 22 mars 2023. C'est parti, je perds pas de temps les amis, je vais commencer par ça. Ils ont des boîtes de thon comme ça, de thon entier à l'huile de tournesol. C'est le phare du Cap Bon, ouverture pratique. Donc là, c'est 5,99€. C'est un prix de lancement et c'est 800 grammes. Voilà, soit le kilo à 7,49€. Je continue juste à côté, regardez, on peut retrouver un lot comme ça de boîtes de thon entier au naturel. Voilà, donc c'est la marque Sopiquet, c'est 11,95€ et donc là vous avez 6 boîtes plus 2 offertes, donc 8 au total. Et c'est du coup des boîtes de... alors ça fait 896 grammes, donc 11,95€, soit le kilo à 13,34€. Du coup c'est des boîtes de... c'est ça que je voulais vous donner, voilà, 8 par 112 grammes. Je continue. Juste à côté, ils ont des bouillons comme ça, des boîtes de bouillons. Bouillon halal, voilà, je vous montre bien. Donc ça se compose comme ça, enfin c'est fait comme ça. Donc là, il y a bouillon goût poule, c'est 500 grammes. J'ai même vu bouillon goût mouton. Et il y a aussi goût, attendez, j'enlève ça, goût bœuf. Du coup, c'est 2,99€. Voilà, et la marque, c'est ça. Dar Délice. Je continue, du coup juste à côté il y a des pois chiches aussi, toujours dans la même marque, regardez, pois chiches en conserve comme ça, Dar Délice. J'essaie de voir d'où ça vient mais je sais pas quel pays. Ah si, là ils mettent fabriqué en Espagne pour ça. Donc là voilà, Dar Délice, c'est ça, pois chiches. Et du coup, c'est 99 centimes pour 570 grammes. Le kilo à 1,74€. Ça existe aussi en haricots blancs qui sont juste au-dessus, qui sont là. Voilà, je continue. Regardez, les amis, ils ont aussi de la langue d'oiseau comme ça. C'est la marque Kaina. Donc là, c'est un paquet de... je crois que c'est 500 grammes. Donc vous avez les langues d'oiseau. Ceux-là, ou bien vous avez du coup, regardez, les petits plombs qui sont juste en haut et c'est 95 centimes. Donc aussi bien pour les petits plombs hein, que la langue d'oiseau. Voilà, juste en dessous, ça va, je suis contente parce que les prix du coup ils sont bien visibles pour le moment. Ils ont des vermicelles comme ça, des sachets de vermicelles, 250 grammes. Donc c'est Fideos vermicelles, voilà, 250 grammes. Et là du coup c'est 1,40€. Ensuite, ils ont aussi en petit paquet, c'est des petits de combien, 100 grammes comme ça, pareil, hein, ils mettent prix de lancement, c'est 70 centimes, voilà, c'est du coup les mêmes que le grand paquet. Ensuite, ils ont, ah, je n'avais pas vu, ils ont des cheveux d'ange comme ça, pareil de la marque Kaina, et ça c'est 500 grammes, c'est 1,60€, le paquet de 500 grammes en dessous. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah non, c'est lentilles. C'est pas lentilles corail ça. Ils ont mis lentilles corail. Non, normalement il y a des... j'ai pas le prix. Lentilles corail à Gordon, 1 kg. Ah c'est ça, il y a ceux-là aussi. C'est 2,59€ mais je veux pas... oui c'est ça, 2,59€. C'est la marque, c'est cette marque-là en fait, Gordon. Et donc là c'est des paquets de 1 kg. Donc vous avez où ceux-là? Ou ceci, voilà, et donc c'est lentilles vertes. 2,59€ le paquet d'un kilo. Les pois chiches, ils sont là. Mosaïque, est-ce que c'est ça? Non, normalement c'est Gordon, mais je les vois pas là, je vois mosaïque. Ah si, le prix il est là. Donc mosaïque, paquet d'un kilo comme ça. Ils ont l'air des... oui, gros calibre. Hein. 2,99€ le paquet d'un kilo. Ensuite, donc là je pense que je vous ai tout montré. Je continue. Ils ont la semoule comme ça de la marque Rouen. Semoule extra fine. Alors c'est 1,79€ pour le paquet d'un kilo. Voilà, je vous montre le prix qui est là. Ensuite, ils ont aussi la semoule fine qui est au même prix. La semoule fine c'est au même prix. C'est 1,89€.
1,79€, voilà. Ils ont aussi la grosse semoule. Je pense que ça doit être le même prix parce que du coup, j'ai pas le prix. Elle est juste à côté. En tout cas, fine, extra fine, c'est le même prix. Ça, je suis sûre. Voilà. Et la grosse semoule, je sais pas. Mais peut-être que c'est le même prix, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Couscous comme ça, de la marque Kaina. Celui-là, il est super bon. Je vous le dis parce que je l'ai déjà acheté. Oh mince, il est percé ce paquet. Je l'ai déjà acheté et je ne suis pas déçue. Alors, ça, c'est moyen. C'est du couscous, je précise, ce n'est pas de la semoule. C'est pas le même. Attendez, non, c'est encore autre chose ça. Donc, couscous Kaina moyen, c'est 2,50€ le paquet. Et là, je vois qu'il y a une offre sur le couscous Tria. 2,60€ le paquet d'un kilo et le deuxième à 1,30€. Voilà, donc soit par 2 kilos à 3,90€ au lieu de 5,20€, ce qui fait que le kilo revient à 1,95€. Et du coup, c'est ça, voilà. Ah, couscous marocain, je connaissais pas ça. Je découvre aussi en même temps que vous, donc c'est chouette. Donc là, c'est 1 kilo, voilà. Et la promo, du coup, c'est sur ça. Ensuite, je continue, je vois qu'il y a de la semoule. Attendez. Il y avait aussi... Ah, bah pour le couscous Kaina, il y a aussi le fin. Je vous avais dit 2,50€ le paquet. Attendez, je regarde si c'est ça. Oui, c'est ça, 2,50€. Du coup, il y a fin et moyen, voilà. La semoule, elle n'est pas au bon endroit, le renard, je pense. Je ne sais pas où elle était, celle-ci. Je continue. Ensuite, ils ont une autre semoule. Grosse semoule comme ça, c'est cette marque-là. Voilà, donc... ils ont mis semoule, grosse semoule comme ça. 2,50€ le paquet d'un kilo. Ensuite, ils ont des raisins, mais je ne les vois pas. Cocktail de fruits, ça doit être ça, voilà. Comme ça. Ça, c'est 2,50€ le paquet de 400 grammes. Voilà. Ensuite, ils ont des cacahuètes tout en haut comme ça. Cacahuètes blanches crues, c'est 1,90€ le paquet de 400 grammes. Est-ce qu'ils mettent l'origine? Ah si, oui, cacahuètes du Brésil, voilà. Ils sont vraiment en train de recharger tous les rayons, je précise. Ensuite, ils ont... Je vois qu'il y a des amandes, mais il faut que je regarde. Je continue, les amis. Du coup, on retrouve aussi le paquet d'amandes comme ça, hachées, de Californie. Donc, c'est fait comme ça. C'est 4,50€ pour 400 grammes, vous avez. Et c'est Profruit, voilà, la marque. Amandes en poudre aussi comme ça, c'est... 100%, donc voilà, de Californie, 400 grammes, 4,50€. Les rayons, les amis, sont hyper chargés. Oups, ils ont mis ça tout en haut et ça glisse. Je continue à vous montrer ça aussi. C'est un paquet d'amandes comme ça. Donc c'est 3,99€ pour 400 grammes. La dame a été me renseigner sur le prix parce que du coup c'était pas indiqué. Là il y a 400 grammes, voilà. Ensuite j'ai vu qu'il y avait le couscous d'Harry. Couscous d'Harry, là c'est celui-ci. Je vois le moyen. Pour le moment je vois le moyen. Je regarde juste. Ah bah il y a les deux. Voilà. Franchement ils sont en train de recharger les rayons à max. Donc fin et moyen c'est deux. Là c'est marqué fin. Ah bah voilà. Regarde, pardon. 2,99€ du coup le paquet de couscous d'Harry. Voilà, et je voulais voir s'il y avait la semoule au renard, mais pour le moment je ne la vois pas. Ensuite il y a des grands bocaux comme ça d'olives, olives comme ça. Ah, olive violette, c'est la marque Aïcha pour les tagines. Et donc il y a les violettes et il y a aussi les vertes dénoyautées. Celle-ci c'est marqué, c'est précisé dénoyautées. 2,50€ pour, je regarde juste, 200 grammes ça, j'ai un doute. Hein. Non. Attendez, je vous dis ça. Non, c'est 650 grammes, donc je crois pas que le prix corresponde. J'ai pas le prix. En fait, celles qui sont 200 grammes, c'est les petites. Les petites, elles sont là. Les petites, ok. Mais alors les grandes... je n'ai pas le prix, c'est dommage. Regardez, ils ont aussi des salades Meshouia.
C'est la marque Saphir. C'est marqué que ça vient de Tunisie. Voilà, Product of Tunisia. Ça, c'est la piquante. Et donc, du coup, c'est 1,99 € pour 350 grammes. Je suis habituée à voir celle-ci de la marque Samia, salade méchouïa. Donc là, c'est 2,99 € la marque Samia. Vous avez la piquante et la douce. Regardez. La piquante, la douce qui est dans ma main. Donc 350 grammes. Oups, 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 je fais tomber la sauce tomate. 2,99 € et le deuxième produit à 1,49 €. Ben voilà, ce que j'ai fait tomber, je vais ramasser. Voilà, c'est ça, double concentré de tomate en tube. Donc là, c'est cette marque-là, hein, le phare du Cap Bon. Et c'est 140 grammes, 55 centimes. Citron confit de la marque Samia qui est tout en haut. 2,70 € 500 grammes, le kilo à 5,40 €. Ensuite, ils ont des grosses conserves comme ça de double concentré de tomates 880 grammes au prix de 3,70 €. Voilà. Ensuite, ils ont du poivron rouge comme ça. C'est la marque Martin's International. 2,60 € pour 780 grammes. Je sais pas, je me demande si c'est pas, c'est importé d'où ça, je vais regarder. Espagne, voilà, sauce pizza, comme ça. Alors, sauce. Ah, ben regardez, attendez. Il y a aussi 390 grammes, les petits plats comme ça. Voilà, c'est ça. 1,30 €. Ensuite, ils ont les sauces pizza, comme ça, cette marque-là. C'est 1,29 € pour 400 grammes. Voilà, en conserve, ils ont ça. Ah, c'est bien ça, à l'ail. À l'ail, ça donne un goût de fou. 100% naturel, c'est cette marque-là. C'est 1,05 € 400 grammes. Tomate fraîche, voilà. Et ensuite, ils ont aussi tomate concassée, c'est pareil. Je crois que c'est le même grammage. 1,05 €. Je vais juste voir. Oui, 400 grammes tomate concassée comme ça. Voilà, donc là je continue du coup. Ensuite, ils ont la levure comme ça, cette marque-là. Ça, c'est 125 grammes, c'est 99 centimes. Voilà. Ensuite, je vois qu'ils ont. J'aime trop ces petits vinaigres comme ça. El Baraka. Et ça, c'est 40 centimes. Vous avez 200 ml, sinon ça existe en plus grand. Alors attendez, je vais essayer. Attraper et les autres, elles sont tout au fond, c'est ça. Voilà, c'est. Ah, ils ont pas mis l'étiquette, mais les autres, les amis, elles sont tout au fond. C'est 80 centimes pour 50 ml, vinaigre coloré. Ensuite, ils ont des épices, les épices de la marque Mosaïque. Moi, je vois que cette marque-là, par contre, Selma. Et du coup, je sais pas. Vous voyez, ils ont mis tout ça comme ça. En tous les cas, ils ont mis les épices de la marque Mosaïque. C'est ça. C'est 75 centimes. Ah, c'est bien ça. Les petits sachets de 100 grammes. Donc, vous avez paella. Vous avez épistagine qui est là. Voilà. Ensuite, je vois qu'il y a épices couscous. Pareil. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a épices assaisonnement viande. Normalement il y a autre chose. Voilà, je vous montre l'étiquette. Voilà. Du coup je continue. Ah oui, ils ont aussi du poivre blanc comme ça en grains. Alors ça c'est la marque Selma et c'est 99 centimes le sachet de 100 grammes. Je continue. Je vous ai pas montré ça aussi, les petits plombs. Vous avez les petits plombs de la marque Samia. Donc là, bon, gros plomb plutôt. Numéro 12. Ou bien vous avez la langue d'oiseau aussi qui est là. Calibre moyen. Langue d'oiseau calibre petit. Langue d'oiseau aussi. Ah bah voilà. Langue d'oiseau calibre moyen. Donc c'est ça. Petit plomb, voilà. Donc c'est 1,10 €. Et le deuxième à 55 centimes. Ah, c'est des paquets de 500 grammes. Voilà. La confiture, les amis, c'est la marque pareil, Aïcha. Vous avez. Ah, oh,
confiture de figues, trop bon, extra, 430 grammes. Vous avez figues, alors vous avez, là je vois abricots, et alors il y a figues violettes, normalement il y a fraises aussi. Fraises, je la vois pas, mais c'est dans l'offre aussi, c'est 1,99€. Du coup, format de... Oh, elle a l'air bien celle-là, je la connais, mais je ne l'ai jamais achetée. Elle a l'air lisse pour les gâteaux. Et c'est 430 grammes. Donc, et du coup, c'est 1,99€. Voilà, regardez, ils ont aussi de l'huile d'argan, comme ça, vierge extra bio, produit du Maroc. Donc, c'est une bouteille, pardon, de 25 centilitres. Et c'est la marque Aïcha aussi, c'est 17,80€. Il y a arôme fleur d'oranger. Ma vidéo est longue, les amis, mais je vous montre vraiment tout ce qui est dispo. Alors, arôme fleur d'oranger. Ben, j'avais vu l'étiquette tout à l'heure. Je pense qu'ils l'ont enlevé. Mais c'est dommage, ça. Je vois plus l'étiquette. Ils ont aussi l'arôme de rose 50 centilitres. Attendez, je vais essayer de scanner ça. Du coup, les amis, je suis devant la borne de prix. Et pour l'arôme fleur d'oranger, c'est 1,39€. C'est la marque Mosaïque. Et j'ai scanné l'arôme rose. Je crois que c'est 1,25€. J'avais scanné, c'est 1,25€. Voilà, j'arrive pas à le rescanner. C'est galère. Ah ben voilà. 1,25€ et c'est du 50 centilitres. L'offre de la semoule, elle est là, les amis. Je l'avais pas vue parce qu'ils l'ont mis carrément à l'opposé. Donc grosse semoule, moyenne, fine, moyenne fine, pour l'instant, qui est là. Donc c'est ça, voilà, 2,19€ le paquet d'un kilo. Il y a aussi l'extra fine, normalement, c'est valable aussi sur l'extra fine. Voilà, et donc c'est le deuxième produit à 1,09€, voilà, un kilo. Moins 50% sur le deuxième produit. Donc là, je vois les trois, mais j'ai pas vu... Extra fine, elle doit être quelque part, bien cachée. Voilà, voilà. Après, il y a toute une variété de dates aussi, de dispo. Regardez, il y a celle-ci, cette marque-là. Et donc ça, c'est date, ils ont noté Mélissa. Des galettes Nour 1 kg, c'est 4,99€ au lieu de 6,17€. Voilà, des galettes Nour, là, ils ont marqué, je précise, d'Algérie. Ensuite, il y a une autre variété qui est juste là. Alors ça c'est quoi? Ah, il n'y a pas le prix dans celle-ci. Ah si, c'est ça. C'est ok. Date medium premium. Je ne sais pas du coup les amis si c'est ça ou pas. De Palestine. 4,49€. Attendez, je pense que c'est ça. Hein. 500 grammes. Ah oui, de Palestine. C'est 4,49€ le paquet de 500 grammes. Voilà. C'est ça, et là il y en a pas mal. Ensuite il y a une autre variété, date de Galette Nord aussi, là, d'Algérie, c'est celle-ci, Palmyra. 2,99€ le paquet d'un kilo, bah, franchement c'est nettement moins cher. Ensuite il y a les dates branchées, cette fois c'est de Tunisie, c'est ça, et c'est 3,99€ le paquet. Franchement il y a énormément de choix. Voilà, voilà. Là, ils ont mis ça aussi, regardez, cette huile de tournesol, c'est cette marque-là. Et donc, du coup, c'est 1 litre, hein. Voilà, c'est celle-ci. C'est ça, c'est 2,50€ et vous avez le lot de 2 puces 1 offerte, donc 5€ les 3. Voilà, c'est 1 litre, ce qui fait que le litre revient à 1,67€. Donc, je vous montre, c'est celle-ci. Du coup, les amis, je vous ai montré cette huile et en fait, ça vient de Turquie. J'ai vu que c'était de Turquie, hein. Voilà, alors où est-ce que j'ai vu? Je voulais bien vous montrer, voilà, ici, produit en Turquie. Donc voilà, et c'est cette huile-là, et donc du coup il y a une offre, c'est les 3 à 5€ et l'unité à 2,50€. Il y a aussi l'huile d'olive, comme ça, de la marque Rustica, donc c'est 5,99€ le litre. Du coup c'est cette huile-là, voilà, c'est la marque Rustica, c'est dans une... bouteille en plastique. Alors celle-ci, elle vient d'Espagne, hein. Je vous montre bien, ils mettent bien, je pense origine Union Européenne, mais je pense que ça doit venir d'Espagne. Donc voilà. Alors juste à l'entrée du magasin, je vous ai pas montré aussi, ils ont du lait fermenté comme ça, de la marque Lactel Leben, c'est 1,59€ le litre.
Et aussi, je voulais vous montrer ça. Ils ont la pâte de dattes comme ça. Celle-ci, alors celle-ci tunisienne, elle est à 1,99 € et c'est 1 kilo. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Ils ont aussi ça, des feuilles de vigne comme ça. Farci, alors j'ai regardé, ça vient de Turquie. C'est 1,50 € et c'est du 400 grammes. Voilà, c'est fait comme ça, feuilles de vigne farcies. Alors, je vous montre bien la provenance. Voilà, produit importé de Turquie. Donc ça, c'est 1,50 €. Ah, et c'est farci au riz. Je vous avais pas montré. Je continue à vous montrer ça. Ils ont le miel de fleurs. Là, c'est 1 kilo. 5,35 €. C'est ça, voilà. Les apiculteurs associés, ou bien ils ont un gros bidon comme ça. Miel de fleurs, c'est la même marque aussi. C'est 14,99 €. 2,8 kg, il me semble que c'est ça. Soit le kilo à 5,35 €. Je reviens là-dessus, mais je pense que c'est 2,50 €. Hein. Je pense que c'est 2,50 €, mais dans le doute. Parce que là, les petites, ils ont mis 1,59 €. Et il y a vraiment un vaste choix. Du coup, les amis, c'était ma grande vidéo à Leclerc de Blanc-Ménil. Il y a vraiment pas mal d'arrivages. Il y a énormément d'arrivages aujourd'hui. Je tenais à vous partager tout ça. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Je les ferai avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous les musulmans, un bon ramadan, inshallah, et plein de bonnes choses à nous tous. Merci à vous et à bientôt. Plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Bye bye.